Daniel chapitre 12. On va lire du verset 4 au verset 13. Quelqu'un pourra-t-il nous le lire? Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand seras-tu la fin de ces prodiges ?» Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, il se leva vers les cieux, sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où tu cesseras le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 3135 jours. Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. C'est une belle parole, tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Alléluia, quel héritage allons-nous avoir, recevoir à la fin des jours, lorsque le Seigneur va nous ressusciter? Moi, ça va être la honte éternelle, les autres, c'est la récompense, la gloire, tout ça, la vie éternelle. Et Daniel nous dit la parole au chapitre 12, verset 4. Dieu dira à Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Tout à l'heure, Anne parlait de la lecture, de la méditation de la parole pour avoir la connaissance. Et c'est vrai. Daniel a vu notre génération. Daniel a vu l'enlèvement de l'Église. Daniel a fait, pas l'enlèvement de l'Église dans son ensemble, mais il a vu tellement de choses qui l'ont tellement choqué. Il le dit lui-même, il était étourdi, tombé par terre, et il était effrayé. Il a vu un peu l'enlèvement de l'Église, l'a vu l'Antéchrist, il a vu, n'est-ce pas, à la fin de temps, dans son ensemble. Alors il a voulu écrire, et le Seigneur lui dit non, tiens secrète ces paroles. Ce n'est pas pour votre génération, ce n'est pas pour votre temps, ce n'est pas pour ton époque, c'est pour, n'est-ce pas, les hommes et les femmes d'une autre époque. Et Daniel va sceller ce livre, justement. Il a scellé avec 7 sceaux, n'est-ce pas? Et ensuite, ce livre a été décelé dans Apocalypse chapitre 5 par l'agneau de Dieu. On connaît l'histoire, hein? Donc, voilà. Vous vous rendez compte, mes amis, Daniel a prophétisé au 6e siècle, à peu près avant Jésus-Christ. Et il a fallu attendre à peu près 700 ans, 7 siècles, pour que ce livre soit dévoilé. Que ses secrets soient dévoilés, révélés au monde. Et c'est ce livre que, justement, Daniel avait reçu, n'est rien d'autre que le livre d'Apocalypse, bien sûr. Et vous savez, le livre d'Apocalypse a commencé réellement à partir du chapitre 4. Lorsque Jean va être amené au ciel et qu'il va voir le Seigneur, qu'il va déceler ce livre, tout ça, et qu'il va briser le sceau de ce livre. Et alors, il est question justement de la fin de temps. Et ce soir, nous allons justement parler de la 70e semaine de Daniel. D'accord? Donc, la fin de temps. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont les choses qui vont nous tomber sur la tête? Et nous qui suivons à la fin de temps. Alors on va rapidement voir
dans Apocalypse chapitre 5. Verset 1 au verset 7. Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte : qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit : ne pleure point, voici. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Voilà. Et donc vous voyez, c'est le seul livre qui était scellé dans toute la Bible. Hein. Et c'est ce livre-là justement que l'agneau va ouvrir. Et c'est là justement que ce livre a débuté réellement. Parce que dans le chapitre premier, on nous parle de cette église, tout ça. Donc c'est des choses qui existaient déjà. N'est-ce pas? Donc, l'amour qui avait baissé, tout ça, c'est Éphèse, le mélange, Pergame, tout ça. Donc, Sardes, tout ça, la mort, et l'Odyssée. Donc, c'est des églises qui existaient déjà à l'époque, qui existaient déjà à l'époque de Jean. Dans le chapitre 3, pareil, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 1er, Christ se révélait, n'est-ce pas? Il va se révéler à Jean. Chapitre 2, l'église d'Éphèse, chapitre 3, donc cette église. Chapitre 2 et 3 nous parlent de l'église. Et le chapitre 4, Jean va être emmené au ciel, d'accord, ravi au ciel, pour qu'il voit justement le déroulement des événements qui vont arriver sur terre. Et le chapitre 6, c'est là que le livre va débuter, d'accord. Le chapitre 6 nous dit au verset 1er, « Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux. » Vous voyez, donc là le livre a commencé. Là nous rentrons dans l'histoire. Nations. Nous rentrons dans l'histoire, n'est-ce pas, dans cette prophétie majeure. Et qu'est-ce que Jean va recevoir? Qu'est-ce que Daniel a déjà a reçu? Et qu'est-ce que Jean va voir? Nous sommes dans Daniel chapitre, d'abord Matthieu 24. Matthieu 24, le verset 1 et 3. Et ensuite nous lirons le verset 15. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, et je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Voyez, Jésus sort du temple et les disciples vont lui faire voir les, n'est-ce pas, la beauté de cet édifice. Vous savez, le centre, le temple d'Hérode, parce que c'est le temple d'Hérode, c'est Hérode qui l'avait embelli en fait, il avait mis 46 ans pour le restaurer, pour l'embellir, c'était le temple de Zorobabel. Le temple était tellement magnifique, c'était un de 7 merveilles du monde. Il était beau. Sur sa façade, il y avait de l'or. Donc, quand il y avait le soleil, je sais, il y avait waouh. Et il était magnifique, ce temple. Et c'était la fierté nationale, la fierté juive. Tout le monde, tous les juifs étaient contents. Et le temple était l'épicentre du judaïsme antique. Et les 12 tribus se retrouvaient là 3 fois par an. Lors de la fête de Pâques, la fête de la Pentecôte et de Tabernacles, les 3 fêtes juives, les 3 fêtes du pèlerinage. Et voilà que le Seigneur qui, n'est-ce pas, rentre dans ce temple, dans ce lieu, dans cet édifice, il va prêcher la parole, il va chasser les vendeurs de pigeons de ce lieu, il en sort, et les Hébreux, donc les Juifs, lui posent la question, Seigneur, tu as vu comment ce lieu est beau, magnifique? Quand le soleil se levait, il frappait dessus, et il y avait des étincelles, il y avait des... C'était vraiment magnifique. Et le Seigneur leur dit, ben, tout ça sera renversé. C'est un choc pour les Hébreux, pour les Juifs. Parce que la destruction du temple signifiait la fin du judaïsme. Donc la fin, n'est-ce pas, des fêtes de l'Éternel. Et la fin de la Shekinah, de la gloire de Dieu. La fin de la nation même. Parce que Israël ne peut pas exister sans le temple. Vous voyez, le temple est très important pour les Juifs.
Voyez, on ne peut pas dissocier la nation juive du temple. Et le Seigneur, quand il annonce la destruction de ce lieu, pour les Juifs, c'était un choc, pour les Hébreux, pour les apôtres. Alors, il voulait savoir, justement, connaître le signe qui allait annoncer ces choses, le signe qui allait précéder cette destruction, justement. Voilà pourquoi il pose la question, Seigneur, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'était leur préoccupation majeure. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et le Seigneur va parler des guerres, des événements mondiaux, famine, tremblement de terre, tout ça là. Oui, mais il donne le signe majeur, verset 15, il dit, lorsqu'il ouvrira l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, que celui qui lit justement fasse attention. Or, Daniel 12, 4 nous dit que plusieurs allaient lire ce livre et la connaissance allait augmenter. Voyez? Donc, la connaissance ne pouvait pas augmenter sans la lecture de ce livre. Et ce livre, il fallait qu'il soit, justement, il fallait que ses sceaux soient brisés. Donc, voyez? Donc, la lecture du livre de l'Apocalypse nous permet d'avoir la connaissance. Or, il se trouve que, juste une parenthèse, dans la plupart de nos églises, ce livre-là n'est pas lu, étudié. Vous voyez comment Satan a réussi à nous voiler? On ne veut pas y toucher. Parce qu'il faut le Saint-Esprit pour comprendre ce livre. Tellement qu'elle est inspirée. Ah oui? Parce que Apocalypse, c'est Apocalypsis en grec. C'est action d'ôter le voile. Voyez? C'est un terme qui va être utilisé. C'est un terme qui était utilisé par les artistes grecs. Lorsque un architecte, un sculpteur avait fait une œuvre d'art, tout ça, il la recouvrait d'un voile. Voyez? Et lors de l'inauguration de ce chef-d'œuvre, eh ben, il y avait une foule de gens, et puis hop, on a enlevé le voile, et tout le monde criait « Waouh !» C'est ça le principe de ce livre, Apocalypse, action d'ôter le voile. Il y avait un voile qui était sur nous, qui cachait le plan de Dieu, n'est-ce pas? Qui cachait la fin de temps, les détails même concernant la fin de temps. Et c'est pour cela que Jean a reçu cette grande révélation pour pouvoir nous montrer en fait, qu'est-ce qui va arriver, frère, à notre génération? Le Seigneur dit aux apôtres qu'il faut lire absolument Daniel. Qu'il fallait lire Daniel pour avoir la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance de la parole. Alors, qu'est-ce que Daniel, justement, a dit par rapport à cette abomination de la désolation? Parce que ça, c'est la clé de la fin du temps. C'est la clé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, établi là où il ne faut pas, en lieu saint, ben justement, que les lecteurs de la prophétie biblique fassent attention. Et on va voir justement Daniel, parce que Daniel a la clé de notre génération, la clé pour la compréhension du plan de Dieu pour les nations. Pour Israël, pour l'Église. Daniel 9, 1 à 2, à 3. La première année de Darius, fils d'Aspérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi Daniel, je lis par le livre. Il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de retourner à la prière de supplication, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Ok, c'est bon. Alors voyez, Daniel, selon Daniel 1, faisait partie des premiers déportés, n'est-ce pas de Juda à Babylone, sous Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Daniel était fils du roi. Un de ses ancêtres, c'était le roi Ézéchias. Dieu dira à Ézéchias même qu'un temps viendra où un roi viendra du septentrion et amènera un de tes enfants, donc un de tes descendants, certains de tes descendants, de Juda à son pays. Donc Daniel était fils du roi, il avait du sang royal et c'était un jeune très très engagé dans la prière. Et Daniel se retrouve à Babylone et 70 ans après la captivité, il s'aperçoit qu'il n'y avait toujours pas de délivrance. Que les Hébreux étaient toujours là en train de souffrir à Babylone.
Il se dit, mais c'est pas normal. Alors il tombe justement sur les écrits du prophète Jérémie, parce que Jérémie, dans Jérémie 25, il avait prophétisé au verset 11 que les Juifs allaient être déportés de Jérusalem à Babylone pendant 70 ans. Vous voyez, 70 ans. Vous savez, on retrouve le chiffre 7. D'accord? C'est le chiffre de la perfection. D'accord? Donc Dieu amène ce peuple ailleurs pour pouvoir le perfectionner, justement. Pour pouvoir le tailler. C'est ça son objectif. Alléluia. Donc les 70 ans de la captivité étaient un temps de purification, n'est-ce pas, des mondages pour ces Hébreux. Maintenant, pourquoi, à votre avis? Eh bien, nous avons la réponse dans 2 Chroniques 36. Verset 14 à, n'est-ce pas, au verset 21. Quelqu'un pourra nous le lire rapidement. Tous les chefs des sacrificateurs et le peuple multiplièrent aussi les transgressions selon toutes les abominations des nations et profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. Alors, l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens, et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs, il livra tout entre ses mains. Nébuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel, et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu, ils démolirent les murailles de Jérusalem, ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nébuchadnezzar emmena captifs à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée, et ils lui furent assujettis à lui et à ses fils jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses Shabbats, se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Vous voyez, c'est terrible. Ça veut dire que les Hébreux avaient une dette de Shabbat, une dette de Shabbat de 70 ans. Pendant 70 ans, les Hébreux n'ont pas voulu, n'est-ce pas, observer la jachère, le repos de la terre. Ils ont enfreint cette loi. Dieu a dit, ok, je vais vous détacher, je vais vous envoyer, vous détacher de ce pays, de terre, vous envoyer ailleurs, afin que la terre, cette terre, puisse se reposer. C'est quand même incroyable, Dieu pense à la terre, à la création, c'est magnifique. Alléluia. Et nous sommes dans Lévitique chapitre 26, Yann. Tu peux nous lire, verset 14. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, verset 32. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Continue. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses Shabbats tout le temps qu'il sera dévasté. Et que vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira de ses Shabbats. Waouh! Dieu avait déjà, par Moïse, averti les Hébreux. Dieu ne fait rien, nous dit Amos 3:7, sans avoir averti son peuple par ses prophètes. C'est-à-dire, près de 1000 ans avant que cela n'arrive, Dieu avait déjà averti les Hébreux. Que si vous n'observez pas mes Shabbats, notamment le Shabbat, parce que tous les 7 ans, il fallait que la terre se repose, n'est-ce pas? Les agriculteurs ne devaient pas travailler la terre pour permettre à ce que les étrangers, les pauvres, les veuves, les orphelins puissent bénéficier des fruits, n'est-ce pas, de leur travail. Voilà. Et les Hébreux ont refusé de se soumettre à cette loi pendant 70 ans. Ils ont souillé le temple de Dieu en plus de cela. Jérémie nous apprend que la vérité avait disparu en Israël. Ézéchiel 8 nous dit que le temple était souillé, il y avait des figures d'animaux sur le mur. Les anciens, 70 anciens observaient prier les idoles. On apprend dans 2 Rois 21 que le roi Manassé, n'est-ce pas, qui a vécu près de 100 ans avant Jérémie, le roi Manassé avait même fait construire dans ce temple des hauts lieux, des hôtels, n'est-ce pas, de Baal,
Et il y avait une idole d'Astarté également dans le temple. Il avait établi également des homosexuels et des lesbiennes dans le temple. Alors Dieu a vu tout ça pendant des années. Il a envoyé des prophètes tels que Jérémie. Ils n'ont pas voulu écouter. Il dit, ok, je vous enlève de cette nation, je vous envoie ailleurs, à Babylone. Vous voyez? Et Deutéronome 28 même en avait parlé. Verset 49. On nous dit que le Seigneur a dit qu'il a envoyé les Babyloniens, donc une nation qui allait venir du nord, pour détacher, pour sortir ces hommes, les Hébreux, de leur nation. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mes amis. Et donc Daniel faisait partie de ces déportés, comme on l'a vu. Donc il tombe sur les écrits de Jérémie. Il s'aperçoit que 70 ans après, ils étaient toujours à Babylone. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va recourir à la prière. Il va intercéder pour que le Seigneur libère son peuple. Et vous savez que l'intercession de Daniel a, n'est-ce pas, suscité des ministères tels que Esdras, tels que Néhémie, tels que Zacharie le prophète et Agé le prophète, Zorobabel le gouverneur. Vous vous rendez compte, frère? C'est incroyable, la prière dans les coulisses. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes là, nous voulons être vus, acclamés. Et nous pensons que si on n'est pas vu des hommes, on ne sera pas récompensé. Vous avez vu Daniel, frère, il a intercédé seul dans sa maison. Vous avez vu les conséquences de ses prières, frère? Waouh! C'est incroyable l'intercession. Daniel a prié. Et verset 20 de Daniel 9 nous dit quoi? Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je vins pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. » Waouh! Vous vous rendez compte, frère? Et l'ange Gabriel vient. La prière de Daniel a également provoqué le ministère de Daniel, de Gabriel, pardon. Vous voyez, la prière, mes amis, provoque des choses incroyables. C'est juste une parenthèse que je vais ouvrir. Quand on prie, on peut avoir l'impression de ne pas être exaucé, entendu par le Seigneur, alors que la prière fait amène les anges à l'action, pousse les anges à l'action, et ainsi que les hommes. Vous voyez? Et là, Gabriel, carrément, qui rentre en scène et qui dit à Daniel, je suis envoyé, j'ai été envoyé pour ouvrir ton intelligence. Et vous rendez compte, frère, c'est la première fois que la Bible parle de l'ange Gabriel, grâce à la prière de Daniel. C'est un grand ange. Il a dit à Zacharie, je me tiens devant la face de Dieu. Waouh! Il y en a sept seulement qui se tiennent comme ça, sept anges, avec des trompettes. Daniel, Gabriel en fait partie. Et il dit à Daniel, je suis venu pour ouvrir ton intelligence, afin que tu comprennes la vision. Ça veut dire quoi? Même si tu as Bac plus 40, ce n'est pas pour autant que tu vas comprendre la Bible. Dieu doit ouvrir ton intelligence. Il faut qu'il envoie un ange avec une clé pour ouvrir ta cabeça, comme disent les Espagnols. Hein, ta cabeça. Voilà. Alléluia. Et là, il dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Vous vous rendez compte, frère? À peine que Daniel a commencé à prier pour la libération des Hébreux, la parole est sortie du ciel, du trône. Waouh! Et il dit, au verset 24, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Waouh! La 70e semaine de Daniel. C'est fort! Gabriel annonce une parole prophétique de haute importance. Terrible. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc vous voyez que la 70e semaine de Daniel ne concerne aucunement l'Église. C'est important de le savoir. Parce qu'il est question également de la grande tribulation. On le verra. Donc ça ne concerne pas l'Église. Et on apprend ici que ces 70 semaines concernent exclusivement le peuple de Daniel, physique, et la ville sainte. Et la ville sainte, ce n'est pas Paris, ce n'est pas Hambourg, ce n'est pas Kinshasa, New York, n'est-ce pas? Tout ça, là, ni Londres, mais c'est Jérusalem. Alléluia. Waouh.
Et on nous dit que ces 70 semaines ont été fixées pour plusieurs raisons. Premièrement, pourquoi? Pour faire cesser les... Vous allez me le dire. Pourquoi? Faire cesser les transgressions. Donc en gros, le péché. Pour enfermer la rébellion. Deuxièmement, pourquoi? Enfermer la rébellion. C'est ça? C'est quoi la version que tu as? C'est pour expier l'iniquité. Oui, donc, l'expiation, pareil, hein, donc l'expiation. Amener la justice éternelle. Donc, c'est toi qui me faisais retenir, tu vois, Douce. Que Dieu soit béni, parce qu'on vient à peine de commencer. Alléluia. Tu as prié pour ça? Hein? Tu as prié pour ça ou comment? Oh, c'est grave, grave, grave. On attend le Seigneur. J'ai débloqué. Alléluia, Dieu est bon. Amen. Mm-hmm. Donc, nous sommes à Daniel 9, justement, 12. Et Dieu dit par, à Daniel, par Gabriel, que 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pour quelles raisons? On nous donne des raisons. Premièrement, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Donc, premièrement, pour faire cesser le péché, en gros, l'expiation. Or, mes amis, et à cette époque, l'expiation qui se pratiquait, qui se faisait dans le temple n'était pas totale, n'était pas définitive, elle était provisoire. Chaque année, comme vous le savez, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, le jour de Yom Kippour, le 10 du mois de Etam, le mois d'Etam, le mois de Tsri, pour... n'est-ce pas, verser le sang de ce bouc en vue de l'obtention du pardon provisoire pour le peuple. Mais là, on nous parle d'une autre expiation qui allait amener ensuite une injustice, mais la justice de Dieu, la justice éternelle. Vous voyez, donc vous venez à peine d'arriver, Dieu vous a entendu, j'étais bloqué, je ne pouvais plus enseigner. Amen. Vous voyez? C'était la prière que je faisais dans la voiture. Merci. Il faut vraiment marcher par l'esprit, frère. Merci, son excellence. Wow. Dieu m'étonne tous les jours. Alors, les 70 semaines de Daniel ont été fixées sur Israël. On l'a vu, je me répète encore, c'est important ce que je vous dis. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc ça concerne exclusivement Israël, les Hébreux, les descendants biologiques, physiques d'Abraham et non l'Église. Et on nous dit que les raisons pour l'expiation du péché et pour amener à la justice éternelle, d'accord? Et troisièmement, c'est pourquoi? Pour sceller la vision et le prophète. D'accord? Et pour oindre le Saint des Saints. Donc la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints, d'accord? Et ce n'est pas fini. Donc, amener la justice éternelle. Voilà. Encore, pourquoi? C'est la vision. C'est la vision et le prophète. C'est la vision. Et ensuite? C'est bon? Oindre le Saint des Saints. Le lieu très saint. D'accord? Ok. Alors, comprenons les choses, frères et sœurs. Donc, ces 70 semaines concernaient exclusivement Israël pour faire cesser le péché. Donc, ici nous avons l'image de la... Nous avons une parole prophétique qui concerne l'expiation par la mort de Yeshua. Jésus est venu d'abord pour les Hébreux. Vous vous rappelez de l'histoire de la femme syrophénicienne qui va voir le Seigneur pour lui dire « Ma fille est malade. » Et le Seigneur lui dit quoi? « On ne peut pas donner le pain des enfants aux chiens. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. » D'accord? C'était ça l'œuvre de Yeshua, amener d'abord Israël à la repentance, ensuite à son tour Israël allait proclamer le message du royaume aux nations.
D'accord? Et donc, c'était pour l'expiation, donc la croix. Ensuite, après la croix, c'est la justice éternelle. Parce qu'il n'y a pas de justice éternelle sans l'expiation. Et Jésus, sa mort nous a procuré la justice. Romains 5, 1 nous dit que puisque nous avons été justifiés par la foi, nous avons donc la paix avec Dieu. D'accord? C'est pour cela que Yeshua a parlé de la justice. Que soyez parfaits comme votre Père est parfait. Alléluia. Donc, là, c'est la justification. Donc, la mort de Yeshua nous a justifiés. D'accord? C'est pour cela que les premiers chrétiens, on les appelait toujours saints. Saints, au sein de Rome, au sein d'Éphèse. D'accord? C'est pour cela que Paul, dans Romains 8, dit que qui peut maintenant nous séparer de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni la maladie, parce que nous sommes justifiés. Vous voyez? Et ces 70 semaines ont été établies pour cela, également 12. Vous voyez? Et donc la justification. Et pour sceller également la vision. Pour sceller également la vision. Ça veut dire quoi, la sceller la vision? Vous voyez? Donc, sceller, c'est fermer. Et n'est-ce pas? C'est, donc, la vision n'était pas encore scellée. Quelle vision? On nous parle de la vision et du prophète. Ou des prophètes. D'accord? Et ces 70 semaines étaient également établies pour que la vision de Dieu, n'est-ce pas, la révélation concernant la parole soit bouclée. C'est pour cela que nous n'avons plus de nouvelles visions qui vous viendraient, soi-disant, compléter la Bible. D'accord? Jude nous dit que la foi a été transmise une fois pour toutes au saints. Vous comprenez? D'accord? Et donc ici, le prophète, c'est la parole. C'est Yeshua en même temps, la parole de Dieu. Et ensuite, pour oindre le saint de saints. Pour oindre le saint de saints, ça veut dire quoi? Oindre le saint de saints. Parce qu'à cette époque, quand Daniel va parler, le temple était déjà détruit. D'accord? Pour oindre le saint de saints, eh bien, quand Yeshua est monté au ciel après sa résurrection, il a fait quoi? Il est allé dans le lieu très saint. Avec quoi? Avec son sang. Pourquoi, à votre avis? Voilà. Donc, et avec son sang, il a également oint le saint de saints là-bas. Il a réconcilié le ciel avec la terre. Il a réconcilié le Père avec les hommes, le ciel avec la terre. Il a purifié à la fois la terre et le ciel. C'est incroyable. Paul nous dit, la parole le dit, qu'il a réconcilié le monde avec le ciel. D'accord? Le ciel avec la terre. Donc, il a oint le ciel, le saint, le saint. Il a présenté son sang là-haut. Et tout ça là, c'est dans les 70 semaines de Daniel. Mais ce n'est pas fini. Daniel, Gabriel continue. Il dit quoi? Et quelqu'un peut nous lire la suite là, le verset 25 à 27. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée, que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Ok, tu t'arrêtes à 2 secondes. Merci, Yann. Sache-le donc et comprends. Donc, il faut comprendre ces choses-là. C'est profond. D'accord? Sache-le et comprends que depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, n'est-ce pas? Il y a 7 semaines et 62 semaines. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 69? Parce que 7 fois 7 plus 62, ça fait combien? 69 semaines. D'accord? Semaine d'année. Donc, vous multipliez par... Ça fait combien d'années ici? Donc, ici, là, ça fait 490 ans. D'accord? Voilà, 483 années. Alors, on nous dit que de l'époque de Daniel, donc il faut compter à partir de ce qu'on va voir tout à l'heure, pendant 483 ans, il va se passer des choses terribles en Israël. Ils nous disent, il y aura quoi? On nous dit que les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. On parle de rétablissement des choses. D'accord? Rétablissement de quoi? Des murailles et du temple. D'accord? Mais en étant fâcheux, effectivement, il y a eu beaucoup de combats. Les Sambala, les Tobija, tout ça, qui se sont levés pour ne pas que les murailles soient reconstruites ainsi que le temple.
après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc on apprend que pendant de Daniel à cette époque-là, pendant 400, donc durant les 483 ans, on nous parle également que le Messie allait venir et allait être retranché, littéralement mort, ressuscité et hop, élevé au ciel. D'accord? Et il n'aura pas de successeur. D'accord? Donc quand le pape vient et qu'il dit qu'il est le Christ terrestre, il ne faut pas le suivre. Parce qu'on a dit qu'il n'allait pas, qu'il n'y aura pas de successeur du Messie. Et tous ceux qui viennent et qui se disent qu'ils sont Jésus, voilà pourquoi le Seigneur a dit, si quelqu'un vient et vous dit que je suis le Christ, ne le suivez pas. Ben oui, parce que c'est Jésus qui avait envoyé Gabriel avant son incarnation pour dire à Daniel, que je viendrai, je serai mort et ressuscité, et que beaucoup viendraient à mon nom, il ne faut pas que les gens le suivent. Le peuple d'un chef viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Mais quand l'ange parle à Daniel ici, le temple n'était pas encore, n'est-ce pas, reconstruit, il était détruit. Mais on nous parle d'une autre destruction du temple. Vous vous rendez compte ici? On nous dit que durant ces années-là, le peuple d'un chef, le peuple ici, c'est les Romains, d'un chef. Bien sûr, ici c'est Vespasien. Ouais, Vespasien, Céleste, qui va envoyer bien sûr Titus, son fils. Vespasien, empereur romain, avait deux fils, Titus et Domitien. Le peuple d'un chef, donc les Romains, le peuple d'un chef viendra et détruira, nous dit la parole, détruira la ville et le sanctuaire. Pourtant, la ville était presque détruite déjà et le sanctuaire également. Donc, on apprend que la ville allait être rebâtie, restaurée et également le sanctuaire, bien sûr, le sous Zorobabel, ça a été fait. Historiquement, il est question de Vespasien, Titus, tout ça, le chef en question, et puis les Romains, en l'an 70, effectivement, cette parole s'est accomplie partiellement. Alors, à partir de l'an 66, après Jésus-Christ, un Grec qui habitait Jérusalem va souiller une des synagogues de Jérusalem en sacrifiant un oiseau. Et ça a provoqué la colère des ultra-orthodoxes, des religieux. Et les pharisiens, les chefs juifs en ont profité pour, n'est-ce pas, repousser, se révolter contre les Romains, donc les occupants. Et pendant 4 ans, les Romains n'ont pas pu mater cette rébellion. Et Vespasien apprend, il était en guerre, il apprend cela. Il est en déplacement, donc il envoie son fils Titus, qui était à l'époque général, qui arrive et qui mate la rébellion. Et un soldat romain par mégarde, justement, fait tomber une torche sur le rideau du temple de Jérusalem, parce que Titus ne voulait pas détruire le temple. Il a tout fait pour épargner le temple. Mais les zélotes, parce que c'était eux qui étaient à la base de cela, les zélotes, dont le fondateur était Simon de Gamala, dont a parlé Gamaliel, il avait créé le parti des zélotes, c'est lui qui a créé ce parti des zélotes. Et il va, n'est-ce pas, avec les zélotes, ils vont se mobiliser, ils vont combattre contre les Romains, et puis au bout de 4 ans de résistance, ils vont être matés, et beaucoup de juifs vont être, tués, et un soldat romain fait tomber sa torche sur le rideau du temple, et il va y avoir un incendie, et l'or qui était sur la façade va commencer à couler, à rentrer dans les creux des briques, tout ça, des pierres. Et puis les soldats romains, pour récupérer cet or, le creux là, tout ça là, les creux, ils vont démonter pierre par pierre, comme Jésus l'a annoncé. Il a dit, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils vont démonter pierre sur pierre pour récupérer l'or. N'est-ce pas? Et c'est comme ça que le temple va être complètement rasé. N'est-ce pas? Et les juifs vont, n'est-ce pas, comme le Seigneur l'a dit,
Jérusalem, Jérusalem, qui tue et qui lapide les prophètes. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Désormais, votre maison vous sera laissée déserte. Et voilà. Et vous serez amené dans les nations jusqu'à ce que vous me disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et les Juifs, pour la première fois, vont être dispersés dans le monde entier. Mais c'est pas fini. Au début du deuxième siècle, il va y avoir, n'est-ce pas, l'empereur romain Adrien. Il va y avoir notamment un homme, Simon Bar-Kokhba, qui va être considéré comme le Messie par beaucoup de Juifs, par beaucoup de sacrificateurs. Et Bar-Kokhba va mener au deuxième siècle, au début du deuxième siècle, une lutte contre les Romains. Et l'empereur romain Adrien va venir à Jérusalem, va raser carrément la ville. N'est-ce pas? Le temple était déjà détruit. Il rase la ville. Et il va rebaptiser Jérusalem. N'est-ce pas? Jérusalem devient Aelia Capitolina. Et puis il change le nom de la Judée en celui de, n'est-ce pas, Palestine, de la... ça va me revenir. C'est lui qui a donné le nom de la Palestine, en fait. Et les Juifs étaient maintenant restés sans temple, comme le prophète Osée l'avait annoncé. Sans temple, sans roi, sans pays, dispersés dans le monde entier. Le peuple d'un chef viendra, comme Daniel l'a annoncé, détruira la ville. C'est terrible, frère. Donc, cette parole s'est accomplie partiellement. Mais, il y a aussi un autre peuple qui viendra pour accomplir la même chose. Mais déjà, avant Yeshua, il y a eu Antiochus Épiphane qui est arrivé à Jérusalem, qui va destituer le sacrificateur de l'époque, le souverain sacrificateur de l'époque, en l'an 162 avant Yeshua, Antiochus Épiphane. Il va sacrifier un porc dans le lieu très saint, l'animal le plus répugnant dans le judaïsme. Et il va obliger les Hébreux à sacrifier, à manger du porc. Il va leur interdire de lire la Torah, de pratiquer la circoncision. D'où la guerre de Maccabée, justement. D'accord? Et alors, qu'est-ce que Daniel nous apprend ici? Il dit que il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Et le verset 27 nous dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc on apprend que le temple qui était déjà détruit, le deuxième temple, hein, les Hébreux sortent de Babylone, sous Zorobabel, Esdras, Néhémie reconstruisent le temple. D'accord? Malachi nous en parle. Et Hérode va restaurer ce temple pendant 46 ans. Et Titus le détruit. En l'an 70, après Christ. Et on apprend que un autre temple va être reconstruit. Et qu'une alliance sera signée entre le chef d'un peuple et les Hébreux pour une semaine. En fait, sur les 70 semaines, on a vu qu'il y a 69 semaines qui sont écoulées et il reste une semaine. Une semaine égale 7 ans. C'est des semaines d'année. D'accord? Donc on apprend que sur les 490, sur les 400, donc il y a eu 483 ans qui sont écoulés. Il reste justement 7 ans. D'accord? 7 ans. Et une alliance sera signée pour 7 ans. Alors, à quel moment, justement, n'est-ce pas, les 490 ans ont démarré? À quelle période? À quelle période exactement? Nous allons voir cela dans la Bible. Alors, hier, il y en a qui disaient, il y en a qui pensent que c'est à partir de Cyrus. Et d'autres, c'est à partir de Artaxerxès. Artaxerxès. Alors Cyrus, c'est pas ça, déjà, parce que le décret de Cyrus n'avait rien à voir avec la reconstruction de la ville. Ça avait un rapport avec la reconstruction du temple. Or, l'ange ici nous parle de la reconstruction de la ville.
Allons voir Daniel Valérie. Daniel 9, 25, tu peux le lire? Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Tu vois, non? On nous parle de la restauration de Jérusalem. D'accord? Le décret de Cyrus concernait exclusivement la restauration du temple. D'accord? Donc le point de départ de la 70e semaine de Daniel est bel et bien, n'est-ce pas, a bel et bien eu lieu en l'an 445 avant Yeshua, lors du décret du roi Artaxerxès. D'accord? Que nous allons lire, ne vous inquiétez pas, tout à l'heure. Mais allons d'abord voir le décret de Cyrus. D'abord, on va prendre Ésaïe 44. Est-ce que vous suivez là? C'est bon, là? 44, c'est filmé. On a dit qu'on n'en a pas de l'os. Moi, je vais transmettre ces choses parce que je ne peux pas les donner dans les églises. Il faut sélectionner et donner parce que ça boue à moi, là. C'est... Sinon, je vais mourir, c'est pas bon. Pas que je parte avec tout ça. Vous êtes d'accord? Amen. Ésaïe 44, 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ainsi parle l'Éternel à son roi Assyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Ok, vous voyez, je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Et il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Le Cyrus n'a pas parlé du rétablissement de Jérusalem, bien sûr, que du temple. En fait, Cyrus ici... Ésaïe prophétise près de 200 ans avant la naissance de Cyrus. Et il cite clairement son nom et sa mission. Waouh! Et là, la Bible est vraiment digne de confiance, frère. Vous vous rendez compte? Le temple n'était même pas détruit encore. Et encore moins Jérusalem. Et déjà, Ésaïe dit que le temple allait être reconstruit et Jérusalem est reconstruite. Alors, imaginez un peu, si vous ne comprenez pas le langage des prophètes, vous pouvez les lapider. C'est pour cela que les prophètes sont souvent incompris de leur vivant. Parce qu'ils parlent des choses qui paraissent complètement farfelues, tout ça. Attends, mais tu annonces la destruction de la ville alors que la ville est toute belle, tout ça là. Non, le rétablissement de la ville. Mais attends, mais Ésaïe, là, ça va pas là. Hein? Alléluia. Amen. Dieu est bon, frère. Dieu est magnifique. C'est pour cela que je l'aime. Nous sommes dans Ésaïe toujours. Alors, merci Seigneur pour ta parole. Ésaïe chapitre 44, verset 26 à 27. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée. Et les villes de Juda, elles seront rebâties. Vous voyez, Ésaïe prophétise le rétablissement, la reconstruction de la ville de Jérusalem. Waouh! 200 ans avant qu'elle ne soit détruite. Ésaïe l'annonce. Et ça, c'est magnifique. Alors, nous sommes justement dans le livre de Esdras. Chapitre 1er. Quelqu'un peut le lire? Verset 1 au verset 4. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses,
L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple ? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tout va, non ? Merci Yann. Vous voyez, ici, Cyrus parle que de la reconstruction du temple, de la maison de Dieu. Donc, le point de départ de la 70e semaine de Daniel, n'est-ce pas, n'a pas eu lieu avec Cyrus. Cyrus est le fondateur du royaume perse. D'accord ? Il est le fondateur du royaume perse. Voilà. Fils de Cambyse, tout ça là. Et donc le point de départ de cette 70 ans de semaine de la 70e semaine de Daniel n'a rien à voir avec Cyrus. Voilà, donc ça c'est clair pour tout le monde, je pense. Maintenant nous allons voir Néhémie. Non, Esdras toujours, chapitre 7. Verset 1er, verset 6. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Seraja, fils d'Azaria, fils de Ilkija, fils de Shalom, fils de Tsadok, fils d'Akitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merajot, fils de Zerakja, fils d'Uzi, fils de Bouki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Eléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël... Continue. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des lévites, des chantres, des portiers et des rétiniens, vinrent aussi à Jérusalem la septième année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxès, roi des rois à Esdras, sacrificateur et scribe versé dans la loi de Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs et de ses lévites, qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses sept conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël dont la demeure est à Jérusalem. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toutes les provinces de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, le sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribu, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers,
des Néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Voilà, c'est bon. Vous voyez, cette fois ici, nous avons en fait la lettre que le roi Artaxerxès, n'est-ce pas, qui a régné de 465 à 424 avant Yeshua, n'est-ce pas? Et ce roi, donc Artaxerxès, dont le nom signifie longue main, parce qu'il avait la main droite plus longue, le bras droit plus long que le bras gauche. Et c'est lui, justement, qui va décréter que les Hébreux devaient repartir chez eux, à Jérusalem, après 70 ans de captivité, qu'ils devaient rentrer chez eux pour reconstruire, n'est-ce pas, la ville. Et on apprend qu'il y avait Esdras, non, c'est pas qu'il avait reçu ce mandat également de la part de ce roi, mais il n'y avait pas que Esdras, il y avait également Néhémie, n'est-ce pas? Et nous sommes dans Néhémie chapitre 1er. Néhémie chapitre 1er, chapitre 2, pardon. On va lire rapidement du verset 1er au verset 8. Néhémie 2, 1 à 8. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi. Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Ok, c'est bon. Donc voyez ici, il est question du rétablissement de la ville sous Artaxerxès. Comme Daniel 9, 25 l'a dit. D'accord? Et c'est là que le décret va être signé. En 400, c'est-à-dire 20 ans après l'ascension de ce roi au pouvoir. Et donc en 445. D'accord? Et c'est là que Esdras, Néhémie, Zorobabel et des prophètes Agé et Zaché vont rentrer à Jérusalem et ils vont reconstruire les murailles du temple, les murailles de la ville et ainsi que le temple de Jérusalem. N'est-ce pas? C'est le point de départ de la 70e semaine de Daniel. D'accord? Donc, 483 ans se sont déjà écoulés. Ok, mais il reste une semaine. Et cette semaine-là, c'est le sang dont il est question justement ce soir. D'accord? Les 7 ans qui nous importent. Les 7 ans, n'est-ce pas, pendant lesquels il y aura justement la reconstruction du troisième temple. D'accord? De la présence de l'homme impie dans ce temple. N'est-ce pas? 7 ans pendant lesquels il y aura également, donc il y a une moitié de cette période, n'est-ce pas, pendant cette moitié-là, il y aura la grande tribulation justement. D'accord? 7 ans. 7 ans pour que ça fasse 490 ans. 7 ans. D'accord? Et vous verrez que dans vos commentaires, là, dans vos Bibles, Scholfield, dans Matthieu 24, on met 70e semaine de Daniel. C'est faux! C'est complètement faux parce que vous devez faire 70 moins 69. Donc ils auraient dû mettre logiquement la semaine. D'accord? Pour les 7 ans du règne de l'Antéchrist. Vous avez vu comment on a déformé les choses, frère? Ben oui, mes amis. Ben voilà, c'est ça. Alors. Donc, la 70e semaine de Daniel, donc les 483 ans déjà sont déjà écoulés. Donc, c'est la semaine là qui nous importe, là, justement.
C'est clair pour tout le monde, non? Oui. C'est bon? Alléluia, gloire à Dieu. Alors, Daniel 9, 27, on va le relire. Ça va, Justine? Comment est-ce qu'il est? Ça va. Ça nous... Ça va. Ça va aller, hein? Daniel 9, 27. Tu peux lire, hein? Les questions tout à l'heure, s'il te plaît. Voilà. Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Ok. Donc, il fera une solide alliance avec plusieurs, pourquoi? Pour combien de temps? Une semaine. Et on dit qu'au milieu de la semaine, il va faire quoi? Cesser le sacrifice. Faire cesser le sacrifice. Donc, il faut dans le troisième temps qu'on soit reconstruit. D'accord? Mm-hmm. Alléluia. Amen. Ok. Nous sommes d'accord. Donc, pendant la semaine, là, il va y avoir quoi? Des choses du du temple. D'accord? Il va y avoir quoi? Sacrifice. Sacrifice restauré. Enfin, le culte mosaïque, hein. Voilà. Ensuite, les offrandes. L'alliance, le pacte. Entre l'homme impie ou l'impie et les Hébreux et les Juifs. Il va y avoir quoi ensuite? L'abomination de la désolation. D'accord? Il va y avoir quoi? La grande tribulation. Tribulation. Il va y avoir quoi d'autre? La ruine du dévastateur. D'accord? Et voilà, il va y avoir l'Armageddon. Il va y avoir le jugement de cette coupe. D'accord? D'accord? Et la marque de la bête. L'image de la bête. D'accord? Et le réveil de beaucoup de nations, donc le réveil d'Apocalypse 7. D'accord? Donc il va y avoir en fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On ne pourra pas en une soirée parler de cette semaine. Il y a tellement de choses à développer. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme. D'accord? Mais allons doucement. Qu'est-ce qui va se passer? Le temple sera reconstruit. Donc Ézéchiel, justement, notre frère, a eu la grâce de voir ce temple. Ézéchiel 40, Ézéchiel 41, Ézéchiel 42, Ézéchiel 43, Ézéchiel 4. Ézéchiel 43, on parle du régime mosaïque qui va être restauré dans ce temple. D'accord? Les sacrifices d'animaux. Voilà. D'accord? Parce qu'il faut qu'il y ait le temple. Voilà. Et c'est pour cela que les Hébreux se battent pour reconstruire ce temple. Et c'est qu'on en a parlé. Et des théologiens nous disent, non, c'est le temple du millénium. Mais non, le millénium, frère, c'est la gloire de Dieu sur terre. Le péché va être extrait, les démons extraits, mais on n'a pas. C'est le temple de Dieu, c'est les hommes qui vont occuper, qui vont régner avec le Seigneur. Nous sommes tous des temples du Seigneur, c'est fini ça. Vous voyez, c'est donc la reconstruction du temple. Voilà pourquoi les Hébreux se battent pour reconstruire ce temple. D'accord? Voilà. Mais je ne veux pas tout développer sur la semaine ce soir. On va juste parler de la grande tribulation.
Alors, la prochaine session, il y a tellement de choses à dire. Alléluia. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Ben oui. Le Seigneur a dit dans Jean 5, 43, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Mais un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. Il parlait de l'homme impie. D'accord? Donc il va venir et il va se faire, il va être accepté par les Hébreux. Et il va signer une alliance, un pacte avec eux. Pourquoi? Parce que justement, Israël est entouré des nations arabes, des nations musulmanes, et il a besoin, donc Israël, de la sécurité, de la sûreté. D'accord? Et l'homme impie va leur proposer ce pacte-là pour, n'est-ce pas, les protéger, soi-disant, des missiles, des armes nucléaires, notamment de l'Iran, tout ça. Et vous voyez, alors Ésaïe, dans Ésaïe 28, Dieu appelle cette alliance-là, l'alliance avec le pacte avec la mort. D'accord? Et c'est terrible. Hein? Vous l'avez déjà lu, non? Ésaïe, rapidement. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Non. Ésaïe 28, verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Voilà. Vous voyez, Dieu appelle ce pacte-là, le pacte avec le séjour des morts. Et les Hébreux disent que, n'est-ce pas, ils vont être épargnés grâce à ce pacte entre eux et l'homme impie. D'accord? Et ce pacte sera signé pour une semaine. Parce que l'homme impie va régner pour 7 ans. D'accord? Une semaine. Et justement, l'église sera enlevée avant. Pourquoi? Parce que les noces chez les Hébreux duraient une semaine. D'accord? Voilà. Donc nous ne serons pas là. Heureusement. Alors, les 3 ans premières de la semaine de Daniel, là, seront de temps de paix, de fausse paix, selon 1 Thessaloniciens 5. Lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine s'abattra sur eux. D'accord? L'homme impie va leur procurer une fausse paix avec les musulmans. Vous avez vu comment les islamistes prennent de l'ampleur. De plus en plus, ils dirigent de plus en plus les pays, hein, tels que l'Égypte, tout ça, la Tunisie, voilà, au Maroc, ils montent de plus en plus, ils sont au pouvoir, notamment au Maroc aussi. Vous voyez, donc, Israël est en train d'être bien encerclé là, tout ça. Et à Gaza, notamment, avec les frères musulmans, avec le Hamas, tout ça, au Liban, en Syrie, avec le Hezbollah, vous voyez. Donc, ils ont besoin, les Juifs ont besoin de cette paix, justement. Qui leur est si cher. Et Daniel 7. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre les mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous avez vu aussi un temps, de temps, égal quoi? Non, 7 ans. Un temps de temps, 7 ans. Et la moitié d'un temps, 3 ans et demi. D'accord? D'accord, une semaine, et la moitié d'un temps, 7 ans. Donc, 3 ans et demi. D'accord. L'homme impie va régner pendant 7 ans. D'accord. Il va régner pendant longtemps, mais il va signer une alliance de paix avec les Juifs pour 7 ans. Je précise, majorité fille. Il va signer cette alliance pour 7 ans avec les Hébreux. Et le troisième temple sera reconstruit. Ça va être un temple magnifique. Actuellement, avec la technologie que l'homme possède, avec les outils que les hommes possèdent, ils peuvent construire un bâtiment en moins de 6 mois. Vous voyez? Donc, ne vous étonnez pas. Hein, donc, ça peut se faire rapidement. Ce sera un temple magnifique. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et on va restaurer le culte judaïque, un mosaïque,
tout ça avec les sacrifices, comme Ézéchiel 40. Ézéchiel en parle. Hein. Et puis, maintenant, les trois ans et demi premières, ce sera vraiment une époque de paix sur terre, hein, de prospérité, hein, limite. Mais l'Église n'est plus là, n'est-ce pas? Donc, Apocalypse 13 nous dit qu'une bête sortira de la mer, hein, Thalassa, lieu du chaos. Après l'enlèvement, il y aura le chaos de plus en plus. Il y a ce chaos déjà qui se met en place avec les crises, tout ça, les diverses crises que le monde traverse. Et après l'enlèvement de l'Église, il y aura cette crise-là, les gens seront tellement désemparés que l'homme impie va émerger, hein, de ce chaos et va proposer une autre politique au monde. Et il va séduire, comme l'Apocalypse 13 le dit, beaucoup, beaucoup d'hommes. Et il signe l'alliance avec les Hébreux pour 7 ans. Et ça va être la paix au Moyen-Orient. Mais ça va durer seulement 3 ans et demi. Pourquoi? Parce que 3 ans et demi après cette alliance, il va carrément maintenant rentrer dans le temple. Et il va demander aux Hébreux de l'adorer. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lui fasse attention. Jésus parlait là aux hommes qui allaient vivre la grande tribulation. Et puis là, les Hébreux vont dire, non, tu ne peux pas pénétrer ici, tu ne peux pas être adoré parce que tu n'es pas Dieu. Et l'homme impie ne va pas l'accepter, il va rompre l'alliance avec les Hébreux, ce pacte de paix. Alors là, c'est, mes amis, le déclenchement de la grande tribulation. La grande tribulation va commencer avec la rupture du pacte entre les Hébreux et l'homme impie, pour votre information. D'accord? Il ne va pas l'accepter. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, Paul dit que vous savez ce que le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il dit que l'impie va s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. C'est exactement ce qu'il va faire. D'accord? Et les Hébreux vont dire non. Alors bien sûr, l'homme impie ne va pas l'accepter. Et il va rentrer dans une rage incroyable. Et la parole nous dit dans Joël chapitre 3 qu'il va commettre des atrocités incroyables. Joël. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Voilà. Donc Israël sera dispersé, de nouveau comme en l'an 70, Yann. Et Dieu dit que c'est lui qui va rassembler les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. En fait, dans Apocalypse 16, on nous dit que ce sont aussi les démons qui sont derrière les armées de ce monde pour attaquer Israël. Et c'est Dieu qui est derrière tout ça. D'accord? Parce que l'homme va être en furie, va être en colère. Il va dire, non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas me chasser du temple. Donc, il va rassembler les armées de ce monde pour qu'elles attaquent Israël. Et qu'est-ce qu'on apprend là? Qu'est-ce qui va se passer dans verset 3? Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, district des Philistins? Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Voilà. Donc, de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Les ustensiles du temple seront comme l'or de la première déportation babylonienne, eh bien, ces ustensiles seront de nouveau hors du temple, déportés du temple, et mis dans les temples païens. Imaginez, les bouddhistes vont prendre ces objets, ils vont les mettre dans le temple bouddhiste, tout ça là, les hindous, tout ça là, les musulmans dans leur mosquée. Comme à l'époque de Nebuchadnezzar, l'histoire se répète. Voyez, et ça va être terrible, ça va être terrible. Et on continue la lecture. J'avais vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, afin de les éloigner de leur territoire. Javan, c'est les Grecs, sont les Grecs. Donc les Grecs seront même partis parmi les agresseurs des Juifs. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus,
et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Ok, le verset 3 nous dit, 2 nous dit quoi, Yann? Que Israël, n'est-ce pas? Donc les Juifs seront dispersés et le pays sera partagé. Et on apprend ici qu'il y aura bel et bien un État palestinien. Ben voilà, c'est exactement ce qui se passe, dont la capitale, dont Jérusalem-Est sera la capitale. C'est la proposition même de la France. Vous voyez? Et Dieu dit, vous avez partagé mon pays. Mon pays. La ville du grand roi, Jérusalem, et Yeshua l'a dit. Vous voyez? Et les nations seront là, attaquant Israël. Alors là, des femmes violées, des jeunes hommes violés, tout ça là. Et il va y avoir de nouveau une dispersion dans les nations. Et c'est dans ces nations où les Juifs iront que les frères et sœurs qui vont se convertir vont les aider. Selon Matthieu 25. Le Seigneur dira, j'ai eu faim, vous m'avez nourri, j'ai eu soif, vous m'avez, n'est-ce pas, abreuvé, tout ça. Et voilà. Et les saints diront, mais quand avons-nous vu malade, pauvre, étranger, t'avons-nous assisté? Voilà. Il dira, à chaque fois que vous avez fait assister l'un de mes plus petits, l'un de mes frères, donc les Juifs. Vous voyez? Comme lors de l'attaque d'Hitler, lorsque Hitler a attaqué les Juifs, n'est-ce pas? Dans toute l'Europe, notamment en Allemagne, eh bien, ce qu'on appelle les Juifs, notamment les Français qui ont aidé les Juifs, tout ça, ils ont été récompensés. Et ça va être la même chose, frère. L'histoire se répète. Et ça va être horrible. La grande tribulation concerne exclusivement Israël. Et Matthieu 24 nous en parle. Le Seigneur a dit, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, et que ceux qui seront dans les montagnes, dans les maisons, fuient dans les montagnes, priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour d'hiver, ni un jour de Shabbat. Pourquoi le Shabbat? Parce que le Shabbat, comme vous le savez, les Hébreux, selon Deutéronome 28, 16-28, ne devaient pas quitter le lieu, faire plus de 1000 mètres de l'endroit où ils étaient. Donc si le Shabbat te trouvait chez un de tes amis, il fallait rester là. Il ne fallait pas faire plus de 1000 mètres de cet endroit. Donc du coup, si le Shabbat, si la grande tribulation tombait le jour de Shabbat, les Hébreux allaient se faire massacrer. Et Jésus a dit, priez pour que cela n'arrive pas le jour de Shabbat. N'est-ce pas? Ni un jour d'hiver. Et il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes, parce qu'elles ne pourront pas fuir. Et ça va être terrible. Mais l'Église, heureusement, ne sera plus là, frère. Amen. Alléluia. Amen. Donc même les États-Unis, la Russie, tout ça, là, seront derrière l'homme impie pour attaquer Israël dans un premier temps. L'Égypte notamment, l'Iran, la Syrie, alors là, ça va être des Juifs vont être... beaucoup vont se cacher tout ça, la moitié de la ville ira en captivité, nous dit la parole, dans Zacharie 14. C'est terrible, hein? Pendant la semaine. Et là, mes amis, pendant la grande tribulation justement, et on apprend également que l'homme impie va obliger les habitants de la terre à avoir, n'est-ce pas, la marque de la bête et à adorer l'image de la bête. Là, ça va être, mes amis, l'écuménisme dans son paroxysme. Hein, c'est vraiment les églises qui ne vont pas, qui vont rester dans le mouvement et qui vont refuser l'adhésion à des confédérations dirigées par l'homme impie, seront persécutées également. D'accord? Terrible. Vaut mieux être enlevé maintenant là, que de se dire non, j'attends le deuxième tour. On n'aura pas. Alléluia. C'est terrible. Et si l'homme impie n'agit pas tel que la parole le déclare là présentement, c'est parce que nous sommes là encore, l'Église est encore là. L'Église est le sel de la terre. Donc si la terre a encore de la saveur, c'est parce que nous sommes là. Qu'on va partir bientôt, frère. Amen. Alléluia. Amen. La grande tribulation. Jérémie chapitre 30. Verset 7. Malheur, car ce jour est grand. Il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Ok, vous voyez? Ce jour est grand. Un temps d'angoisse pour Jacob. Et on n'a pas dit que c'est un temps d'angoisse pour Israël, pour l'Église. Vous voyez, pour Jacob. Jacob, ce n'est pas l'Église. Bon, ceux qui sont pour la doctrine du remplacement, c'est-à-dire ceux et celles qui enseignent que l'Église a remplacé Israël, attribuent ce passage à l'Église. C'est pour cela qu'ils disent que l'Église va traverser la grande tribulation. Dieu n'a pas rejeté son peuple, nous dit Paul.
n'est-ce pas, qu'il a connu d'avance. Vous voyez? Donc, c'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Le mot, l'homme délivré ici, c'est Yeshua. Donc, c'est Yeshua qui mettra fin à cette zizanie. Parce que les Hébreux seront tellement oppressés qu'ils vont commencer à crier, reviens, viens, viens, viens. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils vont commencer à chanter ce psaume. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui... Et c'est comme ça que Yeshua va revenir avec l'église. Alléluia. Amen. Wow. Visiblement. Et donc on nous dit que malheur, car ce jour est grand et il n'y en a point eu de semblable. Vous vous rendez compte? Ce jour, la grande tribulation n'a pas de précédent. C'est. Et Matthieu 24 nous en parle également. Matthieu chapitre 24. Quelqu'un peut-il nous lire? Verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Comme Jérémie l'a dit. Donc là, c'est la deuxième période hein, de la semaine de Daniel. C'est vraiment la grande tribulation. D'accord? Donc la détresse, comme Jérémie l'a enseigné, mes amis. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc là, ce passage ne concerne pas l'Église. Les élus ici, ce sont les Juifs. D'accord? Bah oui, le peuple élu. D'accord? Et on nous dit qu'il y aurait de faux Christ. Donc il va y avoir un réveil de faux Christ et de faux prophètes, bien sûr, dirigés par l'homme impie et le faux prophète d'Apocalypse 13. D'accord? Regardez le verset 29, quelqu'un peut le lire. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. C'est terrible, hein? Les étoiles vont tomber du ciel. C'est-à-dire, des démons vont descendre de plus en plus, comme Apocalypse 9 le dit. Dans Apocalypse 9, on nous dit qu'il y a un démon, une étoile qui est tombée du ciel, qui avait la clé de la Bible. D'accord? Et des sauterelles sont sorties pour mordre, piquer les gens. Avec des dards, ça va être terrible. Pendant la grande tribulation, les puissances des cieux seront ébranlées. C'est-à-dire les démons qui sont dans le monde spirituel, là, tout ça, là, juste au sixième ciel, juste en dessous du ciel où il y a Dieu, mes amis, ces démons, comme Apocalypse 12 en parle, vont de plus en plus tomber sur la terre. Alors là, ceux qui seront sur terre en ce moment-là vont subir de telles oppressions, de telles attaques de la part de l'ennemi, n'est-ce pas? Ça va être terrible, terrible. Et pendant ce temps de grande tribulation, pendant le temps de la grande tribulation, non seulement que les Juifs vont pleurer, mais les personnes qui vont se convertir à Yeshua seront persécutées terriblement également. Parce qu'elles vont refuser la marque de la bête. Elles vont se cacher dans des grottes. Vous voyez? Ça va être terrible. Et ce que les hommes ont vécu à l'époque de la Gestapo, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils vont vivre, mes amis, pendant la grande tribulation. Et selon Apocalypse 16, mes amis, Dieu va déverser les sept coupes de la colère, de sa colère sur le royaume de l'homme impie. Ça va être terrible. Et les hommes qui porteront la marque de la bête, au lieu de se repentir, à cause des souffrances engendrées par le déversement de ces coupes, ils vont encore s'endurcir et maudire Dieu. Nous dit la parole. Si vous lisez Apocalypse 15, Apocalypse 16, ça va être terrible. La sixième coupe va faire tarir le fleuve, le frat tarira pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient, c'est-à-dire l'Inde, le Pakistan, la Chine, n'est-ce pas? Ça va être terrible, frère. Cette coalition avec 200 millions de cavaliers, selon Apocalypse 9. Ouais. Des chars motorisés. Ça va être grave. Pour en finir avec Israël. Et là, il va y avoir aussi un conflit entre, mes amis, la Russie et l'homme impie. Entre l'Égypte, selon Daniel 11, et l'homme impie, le roi du Midi, c'est l'Égypte. Vous voyez?
Donc il va y avoir de la zizanie entre eux. Donc voilà pourquoi Dieu ne peut qu'intervenir rapidement, descendre rapidement, parce que sinon là, il n'y aura plus personne sur la terre. Donc l'Inde a l'arme nucléaire, le Pakistan a l'arme nucléaire, les États-Unis, la France, Israël, l'Iran, pour votre information, même si on ne peut pas le dire officiellement, c'est déjà le cas. D'accord ? La Chine, la Corée du Nord aussi. Voyez ? Ça va être, imaginez un peu ce qui va se passer là, frère. Pendant cette semaine-là qui reste là au monde. Et des pasteurs viennent nous dire que nous avons encore du temps, n'est-ce pas? Il faut aimer, il faut s'accrocher à la terre, n'est-ce pas? Imaginez un peu. Vous savez, je suivais les informations, le président, notre président est allé visiter le sous-marin nucléaire français. Et d'après les journalistes, la France possède cette... avec les armes nucléaires, la France peut, n'est-ce pas, faire éclater. C'est-à-dire, je crois qu'il y a plus de 1000 obus, quelque chose comme ça, d'après les informations. C'est-à-dire, ça fait plus de 1000 explosions d'Hiroshima. La puissance, n'est-ce pas, nucléaire que possède la France. Un seul navire. Donc, pour un seul navire. Un seul navire. Donc, la puissance nucléaire de la France, avec un seul sous-marin, correspond à près de 1000 bombes d'Hiroshima. 1000 explosions. Alors, imaginez, ça, c'est rien que la France, rien qu'un seul sous-marin. Et il y en a plusieurs. Alors, imaginez un peu, mes amis, ce qui va se passer pendant la Troisième Guerre mondiale, l'Armageddon. Parce qu'au déversement de la Sixième Coupe, c'est la guerre d'Armageddon qui va se déclencher, qui va commencer. Là, ça va s'amplifier. Imaginez, la France va tirer des bombes, les États-Unis, Israël, l'Iran. Imaginez un peu ce que la Terre va subir. Frère, c'est pour cela que la Bible dit que cette époque n'a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité. Et c'est pour cela que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 1, 9 et 1 Thessaloniciens 5, il dit que nous ne sommes pas destinés à la colère à venir. Nous, l'Église. C'est pour cela qu'il faut se sanctifier constamment. Il faut se préparer pour l'enlèvement de l'Église. Ben oui, l'épouse n'est pas destinée à ce désordre, à ce chaos, à cette confusion, frère. La haine de l'humanité va atteindre son apogée lors de la guerre d'Armageddon. La prophétie de Genèse 3.15 va s'accomplir littéralement. Cette prophétie qui dit quoi? Dieu dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est-à-dire Israël et le serpent. Entre ta postérité, l'homme impie, le faux prophète, l'église babylonienne, et la postérité de la femme, Yeshua avec son corps et l'église. Voyez? Et c'est là que cette prophétie va s'accomplir littéralement. Ça va être terrible, frère. Nos yeux doivent être focalisés sur ce qui va se passer là, mes amis, ce qui va se passer, ce trame-là au Moyen-Orient, sur Israël. Ça va être chaud. Et Daniel a vu toutes ces choses, il a voulu les écrire pour nous dire non, celles-là. Alors, si la France, avec un seul navire, a une puissance nucléaire comparable à 1000 bombes d'Hiroshima, et les États-Unis alors, frère, et la Russie alors. Voyez, la Terre est sur une poudrière, nous sommes, vous et moi, sur une poudrière, frère. À tout moment, là, ça peut exploser. Vous croyez que c'est encore le temps d'avoir beaucoup d'argent sur les comptes bancaires? Avoir des comptes bancaires approvisionnés alors qu'il faut annoncer le message du temps. Il faut financer la véritable mission. Frère, on ne partira pas avec toutes ces choses. Ça va être terrible. Apocalypse 7 nous dit qu'il va y avoir des conversions de beaucoup de personnes de toutes les nations. Dans Apocalypse 11, on nous dit que le temple de Jérusalem, n'est-ce pas, sera mesuré. Et Jean l'a mesuré avec une verge.
Et on nous dit que, donc, ça veut dire que le temple sera bel et bien reconstruit, parce que Jean l'a vu dans Apocalypse 11. Et on nous dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations pendant 42 mois. Dans Apocalypse 11. Jérusalem ainsi que le temple. Ça correspond à la dernière partie de la semaine de Daniel. 3 ans et demi. 42 mois, n'est-ce pas, égal 3 ans et demi, ou encore 1260 jours. Les deux témoins seront suscités. Et ils vont prophétiser pendant 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi ou 42 mois. Donc pendant la grande tribulation, Dieu va susciter les deux ministères d'Apocalypse 11, les deux témoins, les deux oliviers dont il est question dans Zacharie 5, n'est-ce pas? 5, 6 plutôt. Et il va y avoir également le ministère de 144 000 ouins, selon Apocalypse 7 et 14, qui vont suivre l'agneau partout, n'est-ce pas? Ce sont les prémices du réveil qui aura lieu en Israël lors du retour visite de Yeshua. Donc ces 144 000 personnes représentent en fait ce réveil, préfigurent en fait ce réveil national. Et ça va être terrible, frère, pendant la grande tribulation. Le monde va être complètement renversé. Oh oui. Des chefs militaires, selon Isaïe, vont se cacher dans des cavernes. Des généraux pour se protéger, soit disant, de la colère de l'agneau. Ça va être terrible, frère. Ça va être terrible. La colère de Dieu sur la terre, les nations. Ça va être comme à l'époque de Moïse en Égypte. Le Seigneur avait protégé son peuple pendant que l'Égypte était frappée par les 10 plaies. Ça va être la même chose, la terre sera frappée avec les 7 coups de la colère de Dieu. Alors là, les hommes publics, les menteurs, les sorciers, les voleurs, tout ça, Dieu va les foudroyer, frères. Ça va être terrible. Ceux qui auront la marque de la bête, surtout. C'est pour cela qu'il faut se convertir maintenant, il faut mettre sa vie avec tout de suite. C'est pas demain. Alléluia. Amen. Et Matthieu 24, 30 nous dit, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. » Toutes les tribus se lamenteront. Ah oui, frère, il va y avoir des lamentations partout. Toutes les tribus seront concernées. Voyez, hein? Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Waouh! Alléluia! Amen. Là, c'est le retour, visite de Yeshua avec l'église. C'est Apocalypse 19. Nous serons assis sur des chevaux tout blancs. Yeshua devant nous. Et nous le suivrons. N'est-ce pas? Et on va descendre, mes amis, sur terre, au nom de Yeshua, à la fin de la semaine. Amen. Waouh. Parce qu'à la fin de la semaine, mes amis, c'est le 8e jour. Vous voyez, pourquoi le 8e jour, à votre avis? Là, c'est encore un... Non. Oui, le repos, le 7e jour. C'est le royaume, bien sûr. Va. Ça va être le 7e jour, en même temps le 8e jour, parce que le 8e jour par rapport à cette semaine. Parce que c'est le 8e jour, tu sais c'est quoi? Parce que le 8e jour, les enfants, les Hébreux étaient circoncis 8 jours après leur naissance. C'est ça. Hein? 8, on se dit Shmona. Shmona en hébreu, dont la racine est Shmen. Shmen égale huile. L'huile. Quand on est blessé, on verse de l'huile sur les gens. À l'époque, on verse de l'huile sur les gens pour les guérir. Alléluia. Waouh. Alors, Yeshua va revenir pour mettre fin à cette semaine afin que le 8e jour commence. Le 8e jour, c'est Shmona, c'est l'huile. Il va panser, n'est-ce pas, les pleurs, les blessures, n'est-ce pas? Waouh. Alléluia. Et tout Israël sera circoncis, la conversion. Shmona. Alléluia. Selon Zacharie 12, c'est la conversion nationale d'Israël. Ils vont pleurer. Paul dit dans Romains 11, tout Israël sera sauvé. Amen. Alléluia. Waouh, Seigneur, merci pour ta grâce. Yeshua va revenir. Il nous dit qu'il enverra ses anges aux 4 points de la terre pour rassembler ses élus. Pourquoi? Parce que les élus se seront tellement dispersés, n'est-ce pas? Il va les rassembler, donc les juifs, il va les rassembler en Israël. Parce qu'il faut qu'ils soient jugés par les douze apôtres, selon Luc 22. D'accord? Ils vont les rassembler en Israël afin qu'ils soient jugés, les Hébreux. Et là, nous allons nous asseoir sur les trônes
pour juger justement les nations. Le roi de ce monde, les présidents, les préfets, les autorités, les, n'est-ce pas, les grandes personnalités, les païens, et on va les juger. Vous vous rendez compte, frère? Ça va être magnifique. Magnifique. Et là, nous rentrons tout de suite dans Matthieu 25. Voyez, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Waouh, là, c'est la convocation des nations, frère. Alléluia. Voilà, donc ça, c'est pas l'enseignement ce soir. Hein. Là, je rentre le 8e jour. On en parlera une autre fois. Voilà, le retour visé de Joshua après la semaine de Daniel. Il va séparer les brebis avec les boucs. Voilà. C'est la parabole du blé et de l'ivraie. Il va se réaliser, il sera accompli ici. Vous voyez? Waouh! Ses pieds vont se poser sur le mont des Oliviers. Voilà. Donc on attend la semaine, justement. L'homme est déjà là. La feuille de route est à, la signature se met en place, hein, n'est-ce pas? Donc, dans les coulisses, voilà pourquoi l'église va partir très, très bientôt. Très, très prochainement, nous allons partir, frère. Waouh, des disparitions massives. Le septième ange va faire retentir le chauffard. Et les disparitions massives auront lieu dans les nations de manière instantanée. Les amis, deux personnes qui seront, n'est-ce pas, dans un lit, nous dit la parole, l'une sera prise et l'autre laissée. Et ça va être la débandade, ça va être la confusion dans les foyers, dans les familles. Toutes les familles de la terre seront concernées de près ou de loin. La police, les pompiers, tout ça, tout le monde sera touché par cet événement. Et là, on part. Et je suis convaincu que c'est bientôt. Personnellement, je suis de plus en plus convaincu que c'est pour bientôt, frère. C'est pour cela qu'il ne faut pas de la distraction. Amen. Voilà. Donc, soyez encouragés. Dans l'année 9, là, les 69 semaines. Daniel est dissocié en 7 semaines et 62 semaines. Ils auront une raison. Parce que la première semaine concernait exclusivement Israël. Donc la première partie, pardon. Ouais. C'est-à-dire les 69 semaines. La semaine qui reste là concerne aussi Israël. Mm-hmm. Mais la première partie concerne. Enfin, la première semaine concerne aussi bien Israël que les nations. Mm-hmm. Tu vois? Parce que il va y avoir la guerre d'Armageddon, donc c'est les nations. Voilà. Mais la première partie concerne exclusivement Israël. Voilà. Donc, la reconstruction du temple, des murailles, tout ça. Une semaine, donc il y a 7 ans. Est-ce que 7 ans, c'est trop, sur 5 jours ou c'est encore un peu plus de temps? C'est le mois de 30 jours. Donc 365 jours à peu près. Voilà. Elle commence quand cette semaine? Elle va commencer avec la signature de l'homme impie, comme Daniel l'a dit, Daniel 9, 27, entre l'homme impie et les juifs, pour la sécurité du Moyen-Orient, pour la paix de la région. Et cette signature a déjà, depuis 1979, n'est-ce pas, donc avec les accords de Camp David et tout ça, là, entre Arafat et. Isaac Rabin, voilà, Subi Clinton, tout ça, et voilà, donc ça envoie. Voilà. Oui, dans Ézéchiel 38, il est question de la guerre de Gog et de Magog. Mm-hmm. En fait, je veux savoir de quelle guerre il s'agit. Est-ce que c'est Armageddon? Est-ce que c'est une guerre, un conflit qui va avoir lieu avant? Puisque c'est la Palestine qui va être. C'est les deux. Donc, c'est d'abord l'Armageddon, parce que si tu regardes plus loin, on nous dit que. Le Seigneur dit à l'homme impie, soit le chef de toutes ses troupes. Hein, donc c'est d'abord l'Armageddon, parce que là on le voit de manière claire, hein, on va le lire rapidement. Ézéchiel 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers les princes de roche. De Meshach et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras ainsi par l'Éternel ton Dieu. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Meshach et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une bouche à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers,
tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec ceux, le Perse, d'Éthiopie et le Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Dogarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux, qui sont avec toi, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays, dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés. Plusieurs pourront assembler plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Ok, donc tu vois ici, Valérie, Meshek, c'est la Russie. D'accord ? Perse, c'est l'Iran. Et c'est exactement ce qui se passe. La Russie, présentement, soutient l'Iran énormément, la Syrie. Donc c'est vraiment ce passage est vraiment d'actualité. Donc il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a la Libye également. N'est-ce pas? Il y a l'Égypte, n'est-ce pas? Éthiopie, tout ça là. Donc vous voyez, toutes ces nations arabes, des musulmanes notamment. Donc on nous dit ici, prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Voilà. Donc et descend en Israël en gros. Et regarde ce que la parole nous dit au verset 12. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Donc c'est exactement ce que Joël 3 nous dit. Qu'ils vont piller le temple. D'accord ? Donc on voit vraiment que c'est un rapport avec la première attaque d'Israël. Donc c'est pas. Parce qu'il y a deux guerres de Gog. Avant le millénium et après le millénium. Voilà. Donc ce passage concerne premièrement la première attaque. Donc c'est-à-dire avant le millénium. Parce que c'est là qu'ils vont se faire le butin. Voilà. Oui, en fait, j'avais deux questions. La première, c'est au début, quand j'avais pas bien compris quand on disait sceller la vision, qu'est-ce que ça veut dire? Sceller, ici, la vision, c'est. Regarde. Nous sommes dans Apocalypse 10, 7. La vision, on parle de la vision, tout de suite on parle du prophète. Donc c'est la parole. Tout simplement, c'est l'accomplissement de la parole. Voilà. Et là on dit que le mystère de Dieu à la septième trompette s'accomplira. Donc c'est l'accomplissement de la parole, de tout ce que les prophètes ont annoncé. Voilà. Notamment le sacrifice de Yeshua. Et par rapport à la deuxième question, en fait, c'est par rapport à un passage. Encore concernant le temps, on va juste savoir en fait dans Jérémie 3 au verset 14, je vais lire, c'est il dit revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence, avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En fait, j'aimerais savoir, est-ce que. En fait, ça concerne les 1000 ans. Ça, c'est le millénium. Le millénium. Ouais. C'est-à-dire que l'arche de l'Alliance, elle sera enlevée. C'est Yeshua. Mmh. Mmh. Moi, j'aimerais poser une question qui est un peu. Avec Apocalypse, chapitre 6, où il est dit viens, verset 2, je regardais, voici parmi les cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne, lui fut donné, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Alors, en général, on dit qu'il s'agit ici de Christ. Revient. Non, ça c'est ce que les gens disent, oui. Mais justement, nous, dans notre église, on va dire, on a eu un quiproquo, enfin les gens murmuraient, parce que justement, le pasteur disait qu'il s'agissait de l'antichrist parce que celui-ci avait un arc et normalement Jésus est représenté par une épée. Mm-hmm. Alors ça a mis vraiment les gens n'étaient pas convaincus
Et je te pose la question. Ouais, c'est pas, ici, ce n'est pas Yeshua, ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur, donc c'est l'Antichrist. Pas vraiment, ce n'est pas dit, mais en tout cas, c'est un personnage qui est parti pour vaincre. D'accord, voilà. Donc il ne s'agit pas de Jésus. Voilà, non. Merci. Parce que Christ a déjà vaincu. Mm-hmm. Il a dit dans Apocalypse 1, j'ai vaincu la mort. Mm-hmm. Il ne va pas encore partir il va pour vaincre. D'accord. Voilà. Tout est accompli. Mm-hmm. Voilà. Et alors, c'est qui vient vaincre la mort? En fait, c'est pas pour vaincre la mort. Cet individu ne part pas pour vaincre la mort. Il part pour vaincre, nous dit la parole. Et on sait que les chrétiens qui sont les personnes converties qui connaîtront la période de la grande tribulation, qui traverseront la grande tribulation, seront vaincus physiquement. Parce que beaucoup mourront, n'est-ce pas? Or, l'Église ne peut être vaincue. Nous sommes des vainqueurs. Donc on comprend que c'est pour cela qu'on suppose que cet individu-là, c'est l'Antéchrist. Voilà. Voilà. J'ai besoin de l'alliance que l'homme va signer avec le peuple juif là, pour les 7 ans. Mais tu disais que cette semaine, la 70e semaine, commence quand il signe l'alliance. Ça voudrait donc dire que... Non, la semaine. La dernière semaine, la 70e semaine. Donc la toute dernière semaine, elle commencerait quand il signerait l'alliance. Mm-hmm. Ça voudrait donc dire que il sera avant de signer cette alliance. Mm-hmm. Alors, enfin, je... Il va régner, il sera déjà au pouvoir bien avant. D'accord. Ok. Alors. C'est pour ça que Paul dit que nous le verrons. Ok. Ok. Et la dernière semaine ne commence que. Mais alors, mais justement, la question maintenant, c'est le flottement là. Parce que c'est la polémique, hein. Église. Le mystère caché de toute éternité. Mmh. On parle de 69 semaines et on parle de la dernière semaine. Et beaucoup, de toutes les recherches que j'ai faites en ce moment, où est l'Église dans ces 490 ans, dans ces 70 semaines? La 69 et la 70. Entre la 60, il y a eu 483 ans qui sont écoulés déjà. D'accord. Le Messie était retranché. Voilà. Ok. Donc, l'Église n'était pas encore là. Uh-huh. Lorsque le Messie est retranché, voilà. L'Église est née. L'Église est née à l'avènement, après quand l'Esprit est venu, oui. Tout à fait. Donc, maintenant, ça, cette période-là concernait exclusivement Israël. Okay. Tu vois? Totalement Israël. Et une partie de nous tous, parce qu'il est question de l'expression du péché. Christ a, mais il est également envoyé pour Israël. Ensuite, les 7 années qui restent concernent aussi bien Israël que les nations. Comme on l'a vu ce soir. Il va y avoir la guerre d'Armageddon, la signature entre l'homme impie et les juifs, tout ça. Mais l'homme impie va régner déjà, entrera au pouvoir bien avant la signature, parce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2 qu'on le verra avant l'enlèvement. Et il est peut-être déjà là. Peut-être c'est un des présidents que nous. Voilà. Donc, maintenant, quand il va signer cette alliance-là avec les juifs, c'est là que débutera justement la semaine qui reste là. C'est comme si il y a quelque chose qui s'est arrêté de tourner, comme si on avait arrêté l'horloge. Tout à fait. Là, il y a une parenthèse. Hein. Voilà, comme une pause. Oui, une pause, ouais. Voilà. Tout à fait. Ah oui, une pause entre la fin de 83 années, comme qui sont écoulées, hein, ouais. Du décret de Darta, jusqu'à ce que le Messie soit retranché. Voilà. Et entre cette période et les 7 années qui restent, non, la période, c'est la période de l'Église. Jusqu'à son enlèvement. C'est la période de l'Église. C'est la période actuelle. C'est la période. Il y a comme un creux là, tu vois. On est dedans. C'est la période de l'Église. Wow. Et ça là, Daniel n'avait pas vu. En fait. En fait, c'était comme comment les prophètes de la loi ont vu les choses. Ils ont vu comme une chaîne de montagnes. Okay. Ils ont eu une vision panoramique, mais ils n'ont pas vu les creux. Ils n'ont pas vu les creux. Okay. Le mystère caché. Voilà. Donc là maintenant, il y a l'Église qui est là, la cachée. Okay. Voilà. Et ils n'ont pas vu. Donc justement, entre la période de... Entre cette pause que le Seigneur a faite, cette période de pause-là, et la période de l'Église, pendant laquelle le Seigneur a... Sauver les nations. N'est-ce pas? Engendrer l'Église et
les nations avec les juifs qui acceptent le Messie. Donc, c'est les nations qui doivent entrer. Comme l'arche, comme si l'arche était, la porte de l'arche est ouverte, et les nations doivent rapidement entrer. Avant que la porte ne soit fermée, donc la porte de la période, je ne dirais pas la grâce comme on l'a enseigné hier peut-être. C'est aussi faux parce que Dieu n'a jamais cessé d'être le Dieu de la grâce. Depuis le commencement. Voilà. Donc, tout simplement, la période de l'Église. Voilà. Il ne voit toujours pas les Juifs, en fait, quand. Comment ? Il est toujours caché, encore aux Juifs. Il ne voit pas l'Église, les Juifs. Il n'accepte pas, il ne voit pas. Pas tous, il y en a qui se convertissent. Vous pouvez mettre les Juifs, faire compte orthodoxes. Non, pas du tout. Pas du tout. Bien sûr. Les chrétiens apostates, là, en fait, il y en a qui vont être convertis quand même après. Donc, il y en a qui vont certainement récupérer, nous autres, nous étions aussi dedans. Ouais. Alors, donc, du coup, c'est oui, pas l'église, ça, c'est quoi? Mais c'est pas ça se fait déjà là, parce qu'il y en a qui étaient apostats, et on les a récupérés. Et nous autres, hein, avec la réformation, avec le message du temps, et d'autres se convertiront après l'enlèvement de l'église, malheureusement. Ils vont se rendre compte qu'ils sont restés, ils vont se rattraper. Voilà. C'est l'église, normalement. Bon, c'est plus l'église. Parce que l'épouse partira pour les noces. Voilà. Ensuite, au retour de l'église avec Yoshua, et l'église et Israël n'en formeront qu'une seule entité. Voilà. Pour l'éternité. Une autre question. Comment, un seul peuple. À l'issue de la guerre d'Armageddon, tous ceux qui sont restés sur la terre et qui se sont convertis, ils ne vont pas tous mourir. Non. Il y en a qui vont rester. Qui rentreront dans le royaume lors du retour de Yeshua. Avec leur corps normaux, des corps. Voilà, qui sont limités. C'est pour cela qu'ils vont continuer à avoir des enfants. D'accord. Et donc, ceux qui seront morts, Jésus va les ressusciter. Auront les corps glorieux. Voilà, et ceux qui sont et les juifs qui se seront convertis aussi vont rentrer dans le millénaire avec leur corps. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'ils vont continuer à avoir des enfants, et contrairement à nous, qui nous, membres de l'Église, nous n'aurons plus. Voilà, on ne pourra plus se reproduire. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que tous ceux qui n'ont pas la marque de la bête ne seront pas tous exterminés pendant la grande tribulation. Non, il y en a qui vont se cacher. Ils n'auront pas la marque de la bête, mais qui vivront. Bien sûr, mais ils vont se cacher. S'ils sont persécutés. Mais, voilà. enfin, c'est un peu ça que je me pose comme question par rapport à ça, c'est que. Alors, on a vu à l'époque hein, certains films où on montre que l'homme est rebelle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se rebeller contre Dieu et qui vont même se rebeller contre le système en place. Hein? Alors, sans avoir Jésus. Bien sûr. Et cela, si le Messie vient. Ces personnes-là, il faut qu'elles entendent la parole. D'accord. Pour être sauvées, il faut absolument. Pour la foi. Pour passer. Voilà. Okay. Voilà. D'accord. Et là, c'est à ce moment-là que tous ceux qui avaient la marque de la bête sont jetés dans. En enfer. Au retour de Yeshua, Matthieu 25 nous dit qu'il va séparer les brebis avec les boucs, et toutes les personnes qui auront la marque de la bête et qui refuseront également de se convertir, qui auront refusé le message du temps, ben, seront jetées vivantes dans les temps de feu. Tout de suite. Mais alors, qui va proclamer, qui va enseigner pendant que nous, on sera. Ben, les 54 000, les deux témoins d'Apocalypse 11, et également les autres chrétiens qui vont, les personnes qui vont se convertir également. Voilà. Moi, je suis un petit peu. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que dans Apocalypse, au chapitre 20, au verset 7, il est dit : quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la Terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Mm-hmm. C'est quelle guerre? C'est la dernière guerre, la dernière révolte. Satan va être enfermé pour retourner au choix pour 1000 ans. N'est-ce pas? Il ressortira après. Dieu va le libérer. Pourquoi ne va-t-il pas le jeter d'emblée dans l'œuvre de feu? Pourquoi le libère-t-il encore? Pour qu'il se dise encore les habitants de la terre. En fait, c'est simple. Dieu est juste. Des enfants qui naîtront pendant la grande tribulation doivent être, n'est-ce pas, ils doivent faire leur choix. Ceux qui ont vécu dans le millénaire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils disent Dieu nous a imposé la vie éternelle. Ah bah oui, sa justice est telle qu'il faut que. Voilà, que chaque homme se condamne soit lui-même ou qu'il dise c'est moi qui ai choisi la vie éternelle. Voilà. Hein? C'est moi. De
J'ai eu un songe hier soir, et ben, je n'osais pas parler depuis tout à l'heure, mais l'esprit me pousse à parler. J'ai le cœur qui bat, j'ai chaud partout en fait. Quand on a reçu l'enseignement d'hier sur l'église et que je suis rentrée, je n'ai pas dormi de la nuit en fait. L'esprit m'a poussée à louer, j'ai loué Dieu toute la nuit, je n'ai pas dormi. Donc, et quand je me suis assoupie, j'ai rêvé qu'il y avait, j'étais ici, et il y avait le frère Yann et la sœur Guylaine. Et je me suis assoupie. Et dans le rêve, j'ai rêvé que, en fait, j'étais moi, l'église, en fait. C'est comme si tout le monde était en moi, et on partait. Et j'ai senti ça tellement fort, même quand je me suis réveillée, j'ai senti vraiment que on partait. Quoi. J'ai vu les arbres, enfin, on montait, en fait. J'ai vraiment senti ça dans mon corps. J'ai senti ça dans mon corps, en fait. Et le frère Yann, ils m'ont vu dans mon rêve, ils m'ont vu que j'étais. J'étais comme ça, ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passe. Je leur disais à Sœur Guylaine et Frère Yann, ça y est, on y va, ça y est, c'est le moment. Yeshua est là, on y va, c'est le moment. Et ils me regardaient, ils souriaient tous les deux, ils me souriaient en fait. Mm-hmm. Et je me suis réveillée. Mm-hmm. Hier, j'ai vraiment senti. N'arrête pas de parler. Mm-hmm. J'ai vraiment senti ça. Et depuis tout à l'heure, je ne veux pas parler parce que je n'ose pas, mais le cœur bat et beaucoup ça parle en fait. Voilà, c'est nous avons je vais bon, en tout cas. Préparons-nous. Donc j'espère que nous allons croire que le Seigneur va, enfin que vous allez vous attacher davantage au Seigneur. Et que surtout, c'est à la fin de l'enseignement, des questions-réponses, que cette session vous a été bénéfique.